Alors, Laverie Auris est spécialisée dans la transformation du verre plat depuis plus de 45 ans. Grâce à l'intégration au sein du groupe Saint-Gobain, nous sommes devenus leaders européens de la transformation du verre plat pour le secteur de l'ameublement intérieur. Nous nous adressons à trois types de clients, principalement des grands comptes. La distribution régionale et les projets architecturaux, France ou international. Les industriels, avec la fourniture en série de produits semi-finis pour leur fabrication de meubles, salle de bain, cuisine, placard. Et enfin, la distribution spécifique avec la fourniture de produits finis tels que radiateurs ou parois de douche. Nous avons implanté cette CELGIX3 en 1999. Afin d'atteindre nos objectifs, nous avons donc choisi en 2015 de migrer sur la nouvelle version de notre ERP CELGIX3. Besoin qui était d'autant plus fort que le groupe nous a demandé de nous mettre en conformité avec l'utilisation des briques SAP pour la finance et la compta. Ce que nous avons pu faire et réaliser avec la nouvelle version CELGIX3 en version 7, en réalisant des interfaces bidirectionnelles entre SAP et CELGIX3. Aujourd'hui, la base de données CELGIX3 nous permet d'avoir quand même plus de 10 000 articles de vente, plus de 3 000 articles d'achat, également 1 600 ordres de fabrication par mois et plus de 800 commandes de vente par mois également. Alors on utilise CELGIX3 au quotidien pour l'intégration de toutes nos commandes clients au travers de l'EDI avec la majorité de nos gros clients et avec des entrées manuelles sur tous nos autres petits et moyens clients. Aujourd'hui, un client, quand il nous appelle, il a besoin de savoir sous quel délai on va le livrer, le numéro de la commande, savoir s'il y a éventuellement un bon de livraison, une facture, où en sont ses produits. Et au travers de CELGIX3, on saura lui répondre sur l'ensemble de ces données-là. La migration s'est faite en moins de 6 mois. C'est important aussi pour nos clients que cette migration se passe de manière la plus transparente possible, ce qui a été effectif. Le point important de la V7, c'est la possibilité de pouvoir être visible sur une tablette ou sur un smartphone, ce qui donnerait la possibilité aux managers de proximité de se déplacer dans leur périmètre au niveau de l'atelier, pouvoir prendre les bonnes décisions sans pour autant retourner à leur bureau.